Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Donc je suis aujourd'hui accompagnée de ma petite chérie Margot, qui a 3 ans, pour vous parler ensemble de comment apprendre à lire, exactement. À papa, maman. Voilà, exactement. On va apprendre au papa et maman à apprendre à lire à leurs enfants. Donc oui, voilà, le thème de la vidéo, c'est vraiment l'apprentissage précoce de la lecture. C'est pas une méthode toute faite hein, que je vous montre, c'est différentes façons de faire que j'ai trouvées par-ci, par-là et que j'ai mis en application avec ma fille, qui ont marché pour ma fille, mais bien sûr il faudra l'adapter à votre enfant, à sa personnalité et à sa façon d'apprendre. Alors j'insiste sur le fait que l'objectif de cet apprentissage précoce, ce n'est ni d'en faire une petite fille qui saura lire avant les autres, ni de m'auto-convaincre qu'elle est HPI ou autre, et ni de lui faire sauter la maternelle. Le but principal, c'est uniquement en fait, de lui laisser plus de temps pour comprendre et pour assimiler la lecture, et qu'elle le fasse en fait sans pression, pour qu'elle ait plaisir à lire en fait. Donc mon objectif, c'est pas juste d'en faire une alphabète, mais d'en faire une vraie lectrice qui va dévorer des livres plus tard. Donc avec Margot, nous avons commencé cet apprentissage à ses 2 ans et 2 mois avec l'apprentissage de l'alphabet. Donc c'était des sessions très courtes, ça devait durer 2 minutes. Par contre, on pouvait le faire plusieurs fois par jour et certainement plusieurs fois par semaine. Sauf les semaines où elle ne voulait pas le faire, c'était mai dernier, où elle n'a pas voulu faire de lecture du tout, de travailler l'alphabet pendant un bon mois. On a arrêté tout simplement et puis on a repris quand elle a demandé quelques semaines après. Il faut surtout garder à l'esprit que si un enfant de 2 ans n'a pas envie d'apprendre l'alphabet, eh ben il n'apprend pas l'alphabet. Il y a plein d'autres choses intéressantes à apprendre à cet âge-là. Donc voilà, il faut vraiment suivre l'envie de l'enfant. L'enfant va par nature se déconcentrer assez vite. Son cerveau est en ébullition, il est curieux de tout. Donc c'est vraiment important que les séances soient adaptées à son âge. Donc au début, comme je disais, c'était 2 minutes. Et maintenant, à l'âge de 3 ans donc, et 3 mois, avec Margot, on fait des sessions de 30 minutes, je dirais. Par contre, il y a vraiment les 10 premières minutes qui sont consacrées au codage et au décodage, donc à l'apprentissage de la lecture. Et ensuite, les 20 dernières minutes, on travaille la motricité fine et la graphie. On parle du coloriage, des gommettes, enfin voilà. Donc, chaque session d'apprentissage commence par la révision des lettres que l'on a déjà vues. Donc c'est ce qu'on faisait avec les lettres majuscules à partir de ses 2 ans. Et maintenant en fait qu'elle les connaît toutes absolument, donc quand je dis la lettre, je parle du nom de la lettre mais également du son que fait la lettre. Je lui ai pas juste appris que le B c'est le B, mais le B, quel son fait-il Margot? Voilà, B, d'accord. Pareil avec le S, donc le S c'est le nom de la lettre, mais quel son? Ouais, super chérie. Du coup voilà, donc elle connaît tout son alphabet en majuscules et ça fait donc quelques semaines qu'on commence à apprendre les minuscules. Donc on a commencé à apprendre le A, le B, le jour d'après je veux regarder si le A et le B étaient acquis, ensuite j'ai intégré le C, enfin voilà, et de jour en jour on peut intégrer de nouvelles lettres. Je ne vais pas en fait rester bloquée sur 2 lettres qui se ressemblent pendant des jours, là c'est le cas par exemple en ce moment avec le B et le D minuscules. Alors ça c'est le cas chérie, oui merci. Donc le B et le D minuscules qui se ressemblent énormément. Donc si je reste bloquée là-dessus, je risque en fait d'infliger à Margot un sentiment de frustration et de perte de confiance. Alors je préfère intégrer des lettres petit à petit, par contre à chaque séance, je veille à répéter ces lettres jusqu'à ce que ce soit finalement acquis. Donc à cette étape du début de séance, quand on commence à travailler sur les lettres de l'alphabet, si c'est une nouvelle lettre, je lui montre et je lui donne le nom de la lettre et le son afin de lui donner la formation qu'elle doit retenir et assimiler. Ensuite, si on a déjà croisé une lettre mais que ce n'est pas encore totalement acquis, je vais lui demander de me montrer par exemple le D. Elle va me montrer juste avec son doigt et je vais lui demander le son que fait la lettre. Et si jamais c'est bon, tant mieux. Si elle n'arrive pas à le sortir, c'est moi qui vais l'aider. Et D, exactement, le D qui fait D.
Et pour finir, si jamais c'est vraiment acquis, et ben je vais par exemple lui demander lui montrer une lettre et lui demander de me donner son nom et le son qu'elle fait. Ça, c'est la dernière étape. Alors, est-ce que déjà tu peux montrer le A ? Le A. Non, le A. Le A. Oui, tu le mets en haut ? Maintenant, c'est quoi la lettre qu'on doit mettre après ? Ça. Oui, ça s'appelle comment ? Le A. Non, Margot, s'il te plaît. Le B. Non, le B, Margot. B. Le B qui fait le son ? Qui fait le son ? Le B, il fait quel son, Margot ? Ouais, très bien. Maintenant, la lettre d'après, c'est quoi ? Le E. Margot, on va arrêter de travailler si tu fais n'importe quoi. Si tu n'as pas envie, tu me le dis. C'est toi qui as voulu travailler. Le C. Ok. Le C, il fait quel son ? Alors, il fait deux sons. Il peut faire S ou alors K. Donc, le C, il fait S et K. Tu le dis ? Le C fait K. Voilà, et S. Maintenant, est-ce que... Maintenant, quelle est la lettre qui vient après ? Le A. Non. Après le C, on a le D. D. Il est où le D ? Là. Ouais. Alors, dans quel sens tu vas le mettre ? Oui, il fait D, D, D. C'est très bien, ma chérie. Par contre, là, tu ne l'as pas mis dans le bon sens. Ouais, très bien. Après le D, on a le... Qu'est-ce qu'on range après le D ? Le E. Ouais, super. Après le... Il est très petit. Oui, alors, par contre, là, tu l'as fait tomber, ma chérie. Hop là. Il est petit. Oui, Margot, après le E, on va mettre quoi ? Le F. Ouais, super. Il fait quel son ? Oui. Et dis-moi un mot qui commence par F. Ça. Par terre, qu'est-ce que tu peux ramasser ? Des pelles. Non, mais Margot, qui commence par F. Des... Dans l'herbe, qu'est-ce qu'on trouve des fois ? Des... Dans... Hein ? Des fleurs. Des fleurs, eh oui. Ou des fois, il y a des petites fourmis. Alors, après le F, on range quelle lettre ? Le C. Le G. Le G. Et le G fait quel son ? Ou alors G. G. Comme dans Goula El Babo. Ou comme Goula El Babo. Ou un gâteau. Gâteau. D'accord. Alors maintenant, on rajoute aujourd'hui, regarde. Ça, c'est le H minuscule. Tu me le montres ? Voilà, le H minuscule. D'accord ? Et le O, le A. Alors, le H majuscule, je vais le ressortir. Attends, je le cherche. Il est là. Et tu te souviens, il fait quel bruit, le H ? La tape, il ne fait pas de bruit. Voilà, le H, on ne l'entend pas, il ne fait pas de bruit. C'est très, très bien, ma chérie. Donc, j'insiste vraiment sur le fait que pour une bonne assimilation, il faut du temps, il faut beaucoup, beaucoup de répétitions. Donc, pourquoi est-ce qu'à chaque fois, j'insiste sur les sons ? Il est plus important de connaître le son des lettres que de connaître vraiment le nom de la lettre. Par exemple, si vous apprenez à un enfant uniquement que le F est la lettre F, plus tard, au lieu de dire farine, il pourrait tendance à avoir dire F-farine. La deuxième phase de la séance, c'est justement donc la phase de codage-décodage. Là, en fait, on va utiliser des lettres. Donc, j'utilise beaucoup des lettres Montessori pour ça. Et on va apprendre à coder un mot, donc associer des lettres pour le former, pour implicitement apprendre à décoder. Donc, je mets toutes les lettres dans le désordre. Je lui donne le mot, donc je le prononce très clairement. Et ensuite, elle doit remettre les lettres dans le bon ordre. On va faire le mot... Ah, trop chouette. On va écrire le mot... Ça, c'est quoi ? Basket. Une basket. Tu voudrais écrire une basket ? Oui. Ah, ça va être dur, mais on va y arriver, d'accord ? On va le faire ensemble. Oui.
Super. Et on est fortes toutes les deux. Oui. Alors, pour écrire basket, on va avoir besoin de A, d'un E, d'un K, un T, un B et un S. Alors, attends, s'il te plaît, 2 minutes. Marius, on a besoin que tu restes calme 5 minutes de plus au moins, chérie. On finit ce qu'on est en train de faire. Bon, regarde, tu t'allonges, tu prends ta tête et tu nous laisses travailler entre grandes. Alors, tu es prête, chérie, à écrire basket? Alors, regarde ma bouche. Basket. Attends, tu vas trop vite. Basket. Alors, basket, ça commence par ba. Alors, comment est-ce que tu écris ba? Alors, déjà, oui, dans ba, il y a un A, mais il y a une lettre avant. Le B. Le B. Ouais, très bien. Très bien, chérie. Donc, tout ça, ça fait ba. Et regarde, toi, ce que tu veux pour écrire basket, c'est faire basse. Non, non, pose-les bien, chérie. Et on continue le mot. Alors, regarde, Margot. Toi, tu veux pas écrire ba, tu veux écrire basse. Alors, qu'est-ce qu'il y a après le ba pour faire le basse? Très bien, chérie. Ça, c'est super. Serpent. Serpent, oui, c'est très bien. Alors, là, on a écrit, regarde, basse. Et maintenant, il faut écrire quête. Alors, quête, ça commence par quel son? Regarde, Margot, quête. Non, 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 regarde, chérie. Regarde, ma bouche. Quête. Ah, oui. Le K qui fait le son. Le K qui fait le son. Voilà. On n'entend pas. Bah si, le K, on l'entend, il fait ca, ca, ca. D'accord? Alors, après, tu vas trop vite, chérie. Tu vas trop vite et tu dis des bêtises, du coup, d'accord? Attends un petit peu. Regarde, là, on a écrit basque, basque. Et nous, on veut écrire basque. Qu'est-ce qu'on met après le K pour faire ké? Bah non, ça, c'est un T, ça fait le son T. Et oui, basket. À la fin, on veut oui. Basse. Oh, on l'entend pas celle-là. Mais si on l'entend, écoute. Mets-le, écoute. Écoute Margot, basket. 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 Évite de cracher, s'il te plaît. Basket. Et donc, regarde, maintenant, on va retourner la carte. Et écrit, ici, c'est écrit la basket. D'accord? C'était très bien, Margot, tu as bien travaillé. Le truc pour attirer l'attention de votre enfant et surtout la conserver sur le long terme, parce que c'est quand même des mois d'apprentissage avec des exercices qui peuvent être un peu répétitifs, c'est d'avoir différents moyens, différents supports d'apprentissage. Donc moi, dès que je sens une certaine lassitude chez Margot, je change de jeu en fait, et la nouveauté fait son effet. Donc, pour commencer l'alphabet, on avait commencé avec des lettres à emboîter. Alors, je vais vous les montrer. Les voici, je ne penche pas trop, sinon tout va tomber. Donc voici les lettres emboîtées qu'on avait utilisées. Et ça avait très bien marché quand elle était petite. Elle les prenait, elle les remettait dans le bon ordre. Donc j'enlevais en fait toutes les lettres qu'on n'avait pas encore vues. Je laissais que celles qu'on avait vues. Et chaque jour où on rajoutait une lettre, eh ben, elle était fière parce que ça faisait une lettre en plus sur sa planche d'apprentissage. La deuxième chose que j'ai beaucoup utilisée, c'est un imagier pour apprendre du vocabulaire. Donc j'aime beaucoup cet ouvrage, mon imagier de tous les jours, parce que dedans ce sont des photos. Et donc je le trouve très très bien fait. Les pages en fait sont plastifiées, donc ce qui le rend assez solide. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Je vous vois. Ah, tiens. Des balles. Ouais, ça c'est une piscine à balles. Donc voilà, pourquoi est-ce que c'est important que de développer le vocabulaire de votre enfant? Parce que plus votre enfant aura un vocabulaire développé et plus en fait il aura des connexions dans sa tête pour pouvoir décrypter et décoder facilement les mots qu'il va croiser. Donc il faut avoir un vocabulaire riche pour apprendre à lire plus facilement. L'outil que nous utilisons principalement avec Margot en ce moment pour apprendre à coder et décoder, ce sont les lettres magnétiques. Donc celles-ci viennent de la méthode de Céline Alvarez qui s'appelle lettres magnétiques, c'est pour apprendre à lire à partir de 3 ans. Je vous mettrai le lien dans la description ci-dessous.
Donc je les aime particulièrement parce que c'est vrai qu'au niveau du visuel, elles sont très esthétiques, très jolies. Elles sont, le modèle en fait est inspiré du modèle Montessori, mais il est complété en fait par des sons de couleur verte pour les sons complexes. Donc par exemple, hop, le O et le U, le I et le N, donc U et A. Donc... Donc voici pour Céline Alvarez. J'aime aussi cette méthode parce qu'il y a les accents, ça c'est fort utile. Les autres lettres que j'ai, ce sont celles-ci, hein, des lettres basiques. Donc on a toutes les majuscules et les minuscules pour pouvoir apprendre ces deux systèmes d'alphabet, enfin d'écriture. Magie, magie, Margot s'est transformée en Marius. Je vais pouvoir continuer. Donc l'outil qu'on utilise principalement en ce moment avec Margot, ce sont les lettres Montessori. Donc là, ce sont des lettres en bois, donc dans leur boîte que j'ai acheté pour moins de 4 euros dans un magasin de babioles et que j'ai peint, donc que j'ai bombé les consonnes en rouge, les voyelles en bleu. Alors ce que j'aime avec cette boîte, c'est que j'ai beaucoup de lettres. Du coup, je ne suis pas limitée pour créer des mots. Contrairement à la boîte de Céline Alvarez, où je trouve que certaines consonnes et voyelles viennent en nombre trop limité. Par contre, là, il n'y a pas d'accent, donc il va falloir que je les fabrique pour pouvoir passer à des mots avec des accents. Son abécédaire à toucher, c'est de la collection Balthazar, c'est aussi un très bel ouvrage. Donc voilà, les lettres, en fait, sont dans un papier rugueux et l'enfant va pouvoir... les toucher pour apprendre à les écrire en même temps qu'on apprend à les lire. Je l'avais beaucoup utilisé avec Margot quand on a commencé à faire les lettres majuscules. Et maintenant, on le ressort parce que vu qu'elle commence également à apprendre à écrire les lettres, c'est intéressant de le faire d'abord avec le doigt et ensuite de prendre le crayon et de le faire sur l'ardoise. J'aime bien également l'imagier du Père Castor. Donc je vais de suite vous montrer la boîte et à quoi ça ressemble. Je vais l'utiliser donc également pour apprendre du vocabulaire à Margot. Donc, voici la jolie boîte du Père Castor. Et donc à l'intérieur, ça ressemble à ça. Donc vous avez des petites cartes avec un objet au recto. Et au verso, vous avez le nom de l'objet qui est inscrit en lettres script et en cursive. Enfin, script, c'est minuscule. Et en cursive. Et par contre, il n'y a pas les majuscules. C'est ce que je regrette. J'aurais bien voulu qu'il y ait également les majuscules. Je pense que ça aurait été super intéressant parce que, au final, les majuscules, c'est quand même la police d'écriture que l'on rencontre le plus dans la vie quotidienne. Et donc, moi, ça me semble important. En plus, c'est la plus facile. Donc, ça me semble important de commencer par les majuscules, puis le script, puis la cursive. Pour finir, j'ai également trouvé un manuel que je trouve très chouette. Je n'ai pas commencé à l'utiliser, mais ça ne saurait tarder. C'est « Regarde, je lis ». Et en fait, ce que j'aime dans cette méthode, donc dire que c'est une méthode syllabique, et c'est vraiment ce que je voulais suivre. Mais donc, c'est une méthode où on a... Je vous montre une page. Donc, tout en haut déjà, les lettres dans trois écritures différentes. Les majuscules, la script et la cursive. Ensuite, il y a des conseils pour articuler la lettre juste en dessous. Donc, ici, là, c'est des... Donc, par exemple, voilà, le A se dit bouche grande ouverte. Ensuite, il y a des photos, en fait. Donc là, c'est là où on a beaucoup de phonétique. Des photos, en fait, où l'enfant va devoir montrer le rond dans lequel il entend le son A. Donc, dans « ba », il y a deux ronds qui correspondent chacun à une syllabe. Il va devoir montrer la première syllabe parce que c'est là qu'il entend le son A. Et ensuite, un entraînement assez progressif. Donc, on a d'abord des mots assez simples. Donc là, par exemple, arbre, ami, tapis. Et ensuite, on va devoir repérer donc, les lettres. Et plus tard, il y aura également des phrases et des textes dedans. Je vous montre... Voilà, par exemple, en dessous, là, lit l'histoire, une petite histoire à lire. Donc voilà, je le trouve bien fait. En plus, il vient avec un syllabaire. Ça permet en plus de l'emporter de partout. Donc voilà, alors, avec la lettre S, c'est compliqué vu qu'il y a plusieurs sons possibles. Par exemple, le L, voilà, L, A, là. Hop, L, I, I, et on continue.
Donc premièrement, il est important de respecter le rythme et les envies de l'enfant au risque de créer une aversion pour la lecture. Votre enfant va naturellement avoir des périodes en fait d'intérêt extrême pour ça et d'autres périodes où il aura besoin de développer d'autres compétences. Il faut lui laisser cette flexibilité de pouvoir s'y intéresser ou non en fait. Et je rajouterai aussi qu'il faut respecter sa disposition mentale. S'il est fatigué, s'il est épuisé ou s'il est grognon, ce n'est pas la peine d'insister. Vous le laissez aller jouer dans sa chambre et vous en profitez pour vous boire un petit thé ou un petit café. La deuxième chose qui me paraît extrêmement importante, c'est d'être disponible à 100% pour votre enfant dans ce moment-là. Donc, on coupe la télévision, on décroche de son portable, on fait en sorte que la fratrie ne nous dérange pas. Ce n'est pas non plus le moment d'étendre son linge. On fait vraiment en sorte que l'enfant comprenne que ce moment est aussi important pour vous qu'il ne l'est pour lui. Le troisième point qui me semble-t-il a son importance, c'est qu'on va transmettre le plaisir de la lecture en prenant plaisir soi-même à transmettre cette compétence. Si vous n'aimez pas lire, si vous n'aimez pas les lettres de base, ça va vous saouler, ça va sûrement vous prendre la tête. Donc ne vous embarquez pas dans l'aventure, laissez l'école faire. Plein d'enseignants sont spécialisés et le feront très bien. Et enseignez à votre enfant d'autres choses qui sont plus dans vos intérêts. Donc ne vous forcez pas, car votre enfant va le ressentir et va associer les lectures à des tensions et à un moment qui n'est pas forcément des plus agréables. Pour finir avec le cinquième point, je vais d'abord faire une petite mise en situation. Vous êtes avec votre bambin et vous avez les meilleures intentions du monde et cela fait des mois que vous apprenez l'alphabet et du jour au lendemain, il se met à confondre, je ne sais pas moi, le A et le Z. Pour se jouer de vous, alors qu'il les connaissait très bien auparavant. Donc là, vous pourriez vous énerver et moi je vous dis non, il faut garder à l'esprit que c'est forcément que vous n'avez pas respecté le point 1, donc peut-être que ce n'était pas le moment de faire une séance de travail ou que le niveau demandé est trop élevé pour votre enfant qui vous le fait comprendre, ou peut-être que vous n'avez pas respecté le point 2 et qu'il veut ainsi attirer votre attention, ou le point 3 ou le point 4, que sais-je. Ce qui est important, c'est que là, vous en êtes à ce moment de votre vie avec votre A, avec votre Z, et vous sentez que ça monte. Dans ce cas-là, il faut toujours, toujours, toujours rester calme. Si vous vous énervez, votre enfant va le ressentir, perdre la confiance en vous, mais également perdre la confiance qu'il a en lui-même. Et là, c'est parti pour des semaines à ramer pour regagner cette confiance. Donc, j'exagère peut-être en disant des semaines, mais en tout cas, quelques séances, c'est sûr. J'ai vécu l'expérience. Donc voilà, si ça bloque, on finit, voire on expédie très rapidement la séance en s'arrêtant sur quelque chose de positif. On ferme les cahiers et puis ensuite, une fois que c'est fini, on réfléchit. On réfléchit à qu'est-ce qui a bloqué, donc le pourquoi. Et est-ce qu'il aurait été possible de faire les choses autrement pour ne pas que ça bloque? Et donc, quelle est la stratégie pour la séance prochaine? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que son contenu vous a paru intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Voilà, je vous remercie beaucoup de nous avoir regardés et je vous dis au revoir. Au revoir.